Shane Lowry, retour au 17. Pitching wedge. 111 mètres, vent contre. Oh, ça oh. peut, ça peut, oh. ça peut, ça peut. Shane Lowry, oui, 1075 coups que l'on attendait ça. Et Shane Lowry le fait. Ah oui. Ah, je suis pas sûr au coup près parce que je sais pas combien on en a joué depuis tout à l'heure, mais on doit être aux alentours de cela. Exceptionnel trou en un de Shane Lowry le jour de la Saint-Patrick. Absolument. La bière va couler en Irlande. On va la revoir. Était parfait. 3 mètres derrière, elle revient vite, elle prend le drapeau et elle fait le tour du trou, elle tombe. Et regardez la réaction. Félicité par Poulter. La foule en délire. La joie de son copain Poulter. Quel bonheur. Tout à fait, ça c'est des souvenirs. Et petit coup de refait hein, de Shane Lowry au passage. Regardez, moins 4. Birdie 16, Eagle 17. Je pense qu'il l'avait plutôt envisagé dans l'autre sens. Oui, je pense aussi. Comment passer de la 50e place à la 17e? Vous savez ce qu'il y a de bien pour Shane Lowry, c'est qu'il est au milieu du parcours, il va jouer ce 18 qui est difficile, ah oui. Mais il a conservé quand même, il a encore beaucoup d'énergie. Ses 9 premiers à négocier, qui sont somme toute des trous qui sont tout à fait abordables, mais surtout il va terminer lui aujourd'hui. Eh oui, et il sera frais demain parce qu'il ne rejouera pas avant demain après-midi. Tout à fait, il ne repartira pas avec le grand froid matinal. Pour 1, 2, 3, 8 trous, peu importe, il sera tranquillement à l'hôtel. Donc moins 4, on peut toujours rêver, non? Ah oui. Moins 6, moins 7, d'ici la fin de la journée. Et nous voilà totalement relancés. Vous savez, Jean, par les temps qui courent, rêver, c'est la seule chose qui ne coûte rien. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a exactement 10 minutes, il était nulle part dans le tournoi. Comme quoi... Il passe un bon week-end quand même, Shane Lowry. Hein. Ouais, ça, il fait eagle. L'Irlande a battu l'Angleterre au rugby hier. Tout va bien. Tout va plutôt pas mal. Je sais qu'on a beaucoup de supporters irlandais qui nous regardent en France un peu partout. L'occasion de les saluer, les amoureux du golf irlandais. Il n'était pas bien parti, Shane. Il était parti par au 10, pogué au 11. Et puis il a réussi à trouver deux birdies et ce trou en un magique. Où va-t-il la lancer? Dans l'eau. Il va y avoir bagarre là. Ça, je peux vous dire que le sourire, il ne va pas le quitter de la journée, à mon avis. Le coup parfait de l'Irlandais. Ce qui est fabuleux, c'est que même les partenaires de jeu se congratulent entre eux avec les cadets. C'est extraordinaire. Voilà, le dernier en date, c'était Ryan Moore. On l'a revu tout à l'heure hein, avec pas mal de réussite. Hein. Il avait tapé le mât. Oui. Et lors de la prise d'antenne, qu'est-ce qu'on disait? Que ce trou numéro 17, s'il y avait une opportunité de faire un trou. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui.